Ginoble. Ok. Ah, ce qui est pratique, c'est qu'on peut repasser directement de là. Et après, on court en haut. Et voilà. Les dégâts. C'est tout? C'est ça le boss? Putain les gars! Faites un effort les mecs! Putain! Je peux pas croire quoi! Il sert à rien! C'est pas une déception mais ils te mettent un putain de boss là! C'est à quoi de mettre un boss là? Je l'ai tué, super. Donc maintenant je fais quoi? Je remonte. Attends, parce que si je descends, je vais peut-être pouvoir avoir accès au Kodama, peut-être qu'on avait vu. Non. Ouais, c'est ça. Eh hey, putain! Je commence à me repérer là. Ah, je commence à me repérer. Ok. Oh, mais c'est un truc de fou quoi. Pourquoi ils auraient dû mettre ce boss de tous les boss qu'ils auraient pu remettre? S'ils avaient déjà remis Orionki, c'est ça? Si j'augmente le corps. Ouais, ça me rapporte pas grand chose. Bon, allez. Augmentons un peu la vie. Ça me fera pas de mal. Je sais pas, je suis un peu déçu là. Tout ça pour. Ah! D'accord. C'est bon. C'est bon, non, tout a un sens. Donc là, ce sera quoi? Tsunari, bien sûr. Les deux, ils vont par pair. J'adore sa musique, hein. Putain, elle est géniale. Bon, one shot, bien sûr. Mais, oh ouais. D'accord. Ok, ça a du sens. Ça a un peu de sens, maintenant. Ils reprennent tous les soldats qui sont morts, enfin tous les généraux, tous les gens importants en fait, qui sont morts avant, d'accord. Tsunari, ça va être un petit peu plus compliqué, lui je le connais moins. Qui c'est qui va tanker le plus?
Ah, c'est pas un plaisir de le revoir, celui-là. Putain de merde, ce qu'on s'est mis dans la gueule! Oh, rien que pour ça, ça mérite le respect, quoi. Oh, putain! Ah, c'est un duel, quoi. Oh, j'apprécie. Je sais pas ce qui se passe si on casse les cristaux. Parce que ça annule le boss. C'est vrai. Je préfère annuler le boss à ma façon. En le tuant. On va se mettre un petit talisman carnage. C'est dangereux. Et je le fais. On a dû un PV. Merde. Putain, le début, putain, je lui fais du bon dégât et après, je sais pas, je le frappe, il perd aucune vie. Je vais le détruire, moi, ce boss, tu vas voir. Putain, c'est énorme, quoi. Au début, je lui fais masse de dégâts, après, plus rien. Pourtant, mes effets, ils sont quand même déjà partis. Enfin, un peu de résistance dans ce DLC, même si c'est la énième fois que je me fais un Mitsunari. Mais... Ah, après il va charger. Ah mais sérieux, tu le vois pas venir. J'aime bien, ça prend moins d'une seconde et demie, sérieux. Clac clac, allez, terminé, tu es pris. Putain. En fait ouais, c'est juste qu'il craint le feu et il craint pas le vent, donc du coup tu le beurres avec du feu et ça passe. Taste Bowie, Mitsunari. Ah, ça c'était un beau combat. Oh, texte ancien armure de chevalerie. Ah, bien. Ah, ça c'est un drop rare. Plaisir. Ok, donc j'ai pas compris, ils les ont remis. Bon, ça fait plaisir quelque part, hein, mais bon. Pas trop compris l'utilité, mais sympa. Depuis l'autre côté, what the fuck? En tout cas, j'adore ce niveau. Bien fait de le garder pour la fin, sûr. Je vais moins l'aimer dans 3 secondes. En fait, ils ont compris l'astuce. Hein. Aïe! Mourir. Ils ont quand même compris l'astuce. Bon les gars, à chaque fois on met un petit yokai tout pourri là qui tire des flèches. On va pas mettre un truc un peu plus gros. Oh, putain. Je crois que j'allais pas pouvoir l'activer celui-là. Ah, tu m'as même pas tué.
Waouh. Ok, qu'est-ce qu'il y a par là? Dame cha-cha. Pourquoi? Pourquoi vous ne dansez plus le cha-cha-cha? Ouais. Ah mais il est beau comme ça ton château. Ouh, il y a deux grosses portes. Ça veut tout dire. Ok, ça veut surtout dire... Crève! Voilà. Putain. Ah mais ce niveau! Ah ouais. Alors là, il pouvait pas me laisser sur une meilleure note, hein, clairement. Bon après, j'espère que le boss, il sera pas trop générique, mais... Ça par contre c'est un petit peu chiant à chaque fois de se retaper les 2-3 mobs qu'il y a là. Bon, j'ai envie de perdre ma trace. Allez. Attends. Mais il me fait chier! Putain! Tu m'emmerdes! Comment ça? Des fois je te mets 4 coups dans le dos, ça suffit, là je t'en mets 50, pas de problème. Ah, il encaisse mieux que ce que j'aurais cru. Ah, on fait moi le malin maintenant. Hein. Oh, quel goût a le boya déjà. Je ne sais pas. Mais il doit être salé. Allez, élixir. Ok. Il y a deux grosses portes. D'accord. Bon bah je vais y aller avant le boss hein, tant qu'à faire. Plutôt pratique. Il y a un petit coffre. Joyau de vie. D'accord. Ça, ça sent la bonne récompense bien propre. Allez hop. À poil. Merci les Kodama. Maintenant, je ne peux pas perdre. Bon allez, c'est parti. J'imagine que c'est l'ultime boss. Ouais, je le connais pas, alors je mets pas le talisman carnage. Okay.